Coucou, coucou, bonsoir, 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 bonsoir. C'est comment nom mes gens? Bonsoir. Oh. C'est comment? What's up, guys? What's up? Soirée Japap. Soirée, Japap. C'est comment mes gens? What's up with you guys? What's up, what's up? Dédé, quand tu viens ici maintenant, tu ne me salues même plus toi. Hein? Et tu es venu prendre mon plaisir. Même dire un bonsoir, tu ne le veux même pas. Ouais, Gigi Dédé. Tu n'as même le bonsoir, tu ne connais plus, papa. Hey, Jean-Jacques. Même le simple bonsoir te dépasse. Tu viens seulement guetter. Tu es venu prendre le plaisir. Pour aller me saluer en inbox. Ouais. C'est comment, non? Très bon début de week-end à vous tous, hein? Très, 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 très bon début de week-end. C'est le week-end. C'est comment, non, Corinne? C'est comment? Bonsoir. Il dit, Loulou, c'est comment, ma soeur? C'est comment, Sisto? J'ai une voix soif. Hé, hey, Corinne. C'est seulement pour ce soir-là ou bien tout le temps. Seulement pour ce soir-là ou tout le temps. Non, maman, pardon. Corinne, ne commence même pas. Ne commence même pas. Je sors du boulot tout cassé. J'ai eu une longue journée de travail. Hein. Il dit à ma personne, c'est même comment, non? Hein, Christian, c'est comment, non, ma personne? Il dit qu'il était seulement en caïman, il était tellement busy au travail. Busy, 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 busy. Il dit que, ouais, c'est comment? Il dit, partout est bon, gars. Depuis que tu m'as dit que tu vas m'inviter partout,
I'm always in love, Corinne. I'm always in love. Life is too short. I'm always in love. Il dit, c'est comment, non, Christian? Il dit, Christian, tu as vu ta personne, ma d'occasion. Hein, Christian? Madoka dit qu'on a fini avec elle. Elle dit qu'elle a peur de nous. Que le jour que tu l'as posté avec Pastola, pour dire que ce sont les cousins là, elle dit c'est vrai qu'elle était assise, parce qu'elle allait mourir de rire le jour là. Ouais, pardon, Christian, laisse ma personne comme ça. Laisse ma Madoka. Ouais, Christian, c'est comment, non? Ouais, très bon week-end à toi. Tu es venu là-bas pratiquement le samedi. Il n'est que 19h, quoi. 19h27, ici à Maryland et tout. Donc, on a l'heure du dîner et tout. Donc, it's too early for us. On est encore en plein vendredi soir. Le plein vendredi soir de Njoka. Le Njoka de la gloire. C'est comment, non, mes gens, vous avez un programme ce week-end, avec le froid qui s'annonce, là, ils disent que demain, il va windy, c'est à Maryland. Il y aura du vent. Il y aura du vent, demain, il va faire froid. On est déjà dedans, non, aujourd'hui, c'est quand? Voilà, novembre qui est déjà fini. On est en train d'entrer en plein hiver, là. L'automne est pratiquement déjà... L'automne tire déjà pratiquement à sa fin. Comment vont les enfants, Loulou? Comment vont les enfants? Et dit, on va parler de quoi ce soir? Elle proposer les sujets. Non? Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez qu'on parle. Vous aimeriez ce soir, j'ai pas peur, apporter les sujets et tout. On parle de quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle? On discute de quel sujet ce soir? Là? Je vous donne le floor. Let me know. Je vous donne le floor. Vous aimeriez qu'on parle de quoi? J'ai dit, Elisabeth, c'est comment, non, ma Sistou? C'est comment, non, ma Blanche? C'est comment, non, ma Mekette? C'est que tu es de te blanche. Tu es de te blanche de la toi. Tu es de te blanche de la toi. Coucou, Love Queen, c'est comment, non? C'est comment? Bon début de week-end, hein? Bon début de week-end à vous tous. Et bien, on parle de quoi ce soir? Parlons de quel sujet? Je vous laisse le floor. Let me know. Vous voulez qu'on parle de quoi? Let me know en commentaire. Hein? Lesquels, oui? Tu as d'abord le gars. Tu vas aller, tu vas le oué. Mathé, là, elle va venir. On ne parle pas de ça quand elle est là. Madoka, c'est là. On ne parle pas de nos way quand elle est là. Bah, vous voulez seulement que c'est moi qui parle. Si vous demandez de venir parler aussi pour vous, vous allez me dire. Vous ne pouvez même pas monter pour vous parler. Vous venez ici prendre les trucs et tout. Vous partez essayer. Vous ne rentrez même pas me dire si c'était vous avez Yamo ou pas. Comment tu parles nous de way. Merci. Toi-même, viens nous parler de tes écartements. Asia, tu veux aussi être quoi? Vraiment, Corinne. C'est ça même. C'est naturel, hein? C'est pas un truc, you know. Coucou la fille. C'est comment la fille responsable? C'est comment ma personne? C'est pas un truc, you know, on part au marché acheter. C'est un truc naturel, ok? Voilà, et nous les femmes fortes, nous sommes très sélectives. Hein? Nous ne sommes pas nombreuses et tout. Donc c'est un don de la créature du Dieu. C'est quand le Dieu là te crée qui te met comme ça. Hein? Ouais! Et qu'elle est pleine de ça. Oh, je veux être aussi fontaine. On t'a dit qu'on achète ça au marché, mamie. Hein, Corinne, vous voilà. Vous voilà. Oh, je veux aussi être. On t'a dit qu'on achète ça au marché. C'est tout naturel, hein. Quand il te dit que fontaine, là, tu crois que c'est l'eau du robinet que tu vas aller puiser, mamie. Que tu vas aller peut-être mettre ton seau en bas du forage. L'eau va couler que choix.
ta quantité va entrer, tu vas porter sur ta tête pour aller déposer chez toi. C'est naturel, hein? C'est dans mon corps, c'est mon système que je veux aussi être aux fontaines. Va prendre le tuyau, tu mets là-bas. Tu as compris, là, que je veux être aussi fontaine. Va prendre le tuyau d'eau, tu tchouques ça là-bas et tu ouvres le robinet. Va prendre le tuyau d'eau. Tu comprends, non, Corinne? Va prendre le tuyau d'eau, tu tchouques ça là-bas. Et tu ouvres la tête du robinet, ça, tu seras fontaine. Tu as compris, non? Que je veux aussi être fontaine. On t'a dit que. On t'a dit que je veux aussi être fontaine. On t'a dit qu'on achète sur le marché, mamie. Que je veux aussi être fontaine. Vous voilà. Vous voilà. Que je veux aussi être fontaine. Comme qui? Que tu veux être aussi fontaine. Tu veux être aussi fontaine comme qui? Hein, Corinne? Tu veux être fontaine comme qui? Que je veux aussi être fontaine. Va mettre le tuyau. Et tu vas chouquer le tuyau là-bas en bas. Et tu ouvres la tête du robinet. Tu seras fontaine. Si tu veux être un forage, tu seras forage. Tu as compris, non? Que moi aussi, je veux être fontaine. quand tu écrivais là, quand tu écrivais là, on ne lisait pas. Ne m'affiche pas. C'est toi qui es venu, cela dit, non? C'est toi qui as écrit, non? Oh, parlons de oui. Vous voyez les filles graphistes. Vous voulez tout yamo, mais vous avez honte d'exprimer vos sentiments. Mais vous êtes les écarteuses dans le noir jusqu'à ce n'est plus bon. Qu'on ne m'affiche pas. Ce n'est pas toi qui est venu me parler de oui. Que Maté, parlons de oui. Mais quand je parle de oui, qu'on ne m'affiche pas. Finalement, tu veux quoi? Hein, Adi? Tu veux quoi? Tu peux effacer quoi? Tu as vu quoi? Que je n'ai pas effacé. Tu vas aussi effacer mes dits là. Tu vas aussi effacer mes dits là. Que je vais aller effacer. Hein? Que je vais être fontaine. Vous voilà. Tu veux Yamo ou tu ne veux pas Yamo? Quand tu disais que parlons de Wé là, c'était de quel Wé que tu parlais, mamie? Hein, Adi? Tu parlais que de quel Wé? Que parlons de Wé, je veux aussi être femme fontaine. Maintenant, on parle des femmes fontaines. Tu dis qu'on ne t'affiche pas. Vous voilà. Vous voilà avec les hommes dans la maison. Vous voilà avec les hommes dans la maison. Et vous, là, parlez ici fatigué. Oh, je veux. Je ne veux pas. Vous voilà. Attends encore. Attends un peu. Attends un peu. Oh, on a fait le matin. On t'a dit que je suis une prostituée. On a fait le matin. Tu vas encore maintenant. Ça fait même pas encore 2 heures. Tu vas encore. Vous voilà. Vous voilà à la maison. Qu'on vient de faire. Il y a le compteur sur ça. Même si tu viens de faire et que tu fais encore, et que tu fais encore, ça fait quoi? Hein? Vous voilà. On a fait hier, non? On a fait hier. Tu vas encore faire aujourd'hui. Il y a le compteur sur ça, mamie. Tu vous parlais comme c'était la plaie. C'est la plaie pour dire que quand on fait, ça fait mal. Que quand on touche, ça fait mal. C'est la plaie. On vous a dit que c'est la plaie. Vous voilà. On a fait hier. Et on va encore faire aujourd'hui. On a fait hier. On va encore faire aujourd'hui. Ça fait mal. Vous voilà. Femme fontaine. Vous voilà. Corinne, toi là, tu peux niasse. Quand tu niasse, tu n'as même pas les personnes qui peuvent niasse dans la lumière. Avec l'affaire que tu tiens la Bible sur ton front, tu marches partout. Mais vous voilà, les niaiseuses internationales. Tu viens ici à faire comme si, oh, machin. Alors que c'est vous qui faites les écartements là-dehors, avec les arrivées, les jambes, avec les roulades, les jambes à l'air. Vous voilà. Vous êtes le genre que vous pouvez niaiser tout le quartier comme ça. On vient comme ça, là. On regarde tout le monde dans les yeux. On arrête tout le quartier, on part avec et on vous laisse. Parce qu'on va voir seulement vos yeux d'innocents. On va vous laisser. Alors que c'est toi qui viens de commettre le dégât dans tout le quartier.
tu as nias tout le quartier. Le distributeur automatique. Tu as nias la serveuse du quartier. Tu as nias tout le quartier comme ça là. On va venir régaler quand on va dire que non, pas la femme religieuse ceci. Alors que tes actes et faits et gestes, si on pouvait se mettre derrière la fenêtre pour voir le guettage de ça. Que parlons des weo, sous, je suis au carrefour. Hein? Mais tu es comme ça. Toi et ton petit corps là, viens voir s'il faut venir voir tes écartements. Tes écartements. Tu n'as qu'à venir ici là, vouloir nous traumatiser. Que je veux aussi être fontaine. Mais va mettre le tuyau. Va acheter le tuyau, tu chouques ça sur ton shower, dans le robinet de ton shower. Tu chouques le lock au bout de l'autre côté, tu ouvres ça. Tu seras même forage si tu veux, même le puits. Même le puisard, une fois tout ça mélangé. Que je veux aussi être fontaine. On t'a dit qu'on lâchait ça au marché, mamie. Vous voilà. Avec les grands termes, avec les grands mots. Vous ne connaissez pas les conséquences de ça. Vous ne connaissez même pas la provenance de ça. Tu avais les gros mots dans vos bouches. Que je veux aussi être fontaine. Vous voilà dehors. De Sabi Hall. Maroka ne se sent pas bien. Elle est là, non. Maroka, sa grippe là, elle ne se sent pas bien. Quand tu rentres du pays là, non. Ton corps là se concasse dedans quoi. Alors que quand tu es au pays avec les germes là, tu le sens même plus toi là-bas. Mais quand tu viens te coucher ici là, où c'est l'atmosphère qui fait ça, où c'est quoi, tu sens. On ne dirait même pas que c'est la même personne là qui est entrée, que c'est même le même corps là que tu es entré dans l'avion atterri ici avec. C'est comment, non, la fille? Tu disais que le direct de ma pépé. Je n'ai même pas eu le temps de bien regarder. J'étais au travail, j'étais trop busy. Il n'y avait même pas moyen de rester dans l'écouteur parce que j'étais au service de sécurité. Donc, il fallait que je make sure que tout le monde passe dans la queue de sécurité. Donc, je ne pouvais même pas. J'étais très. À un moment, je me suis collecté. Mais je n'avais pas l'attention. J'ai dit que non, bêta. Et c'était comment? Le live était comment? Mais il y a eu quoi? J'ai eu une coupure là. Il y a eu une coupure qui est en train de se balader sur Facebook là. Il y a eu quoi avec la pression que les gens mettaient sur ma pépé pour l'anniversaire là? Amine. Les gens qui montent dans les lives déjà leur manquaient du respect. Vous aimez toujours venir dans les lives des gens. Hein? À venir dire des choses. Hein? Mais pourquoi il y avait d'abord quoi pour qu'on lui demande? Non, il faut que les gens. Amine, soyez civilisés, mes gens. Soyez civilisés. Vous croyez qu'il y a quoi sur la toile que maman Pépé ne voit pas? En temps réel comme nous tous. Vous avez le culot. Hein? Vous avez le culot qu'à lui mettre la pression. Mettre plusieurs fois. Oh, il faut que tu passes. Comment? C'est des choses qui se font tout naturellement. Ha! Non. Quand même, gardez l'autre pour vous. Gardez quand même l'autre pour vous. Vous ne pouvez pas venir dans le truc, dans la niveau, dans le live de quelqu'un, lui mettre une pression comme ça à la vue de. C'est ça qui. Maintenant, même le bout de son live et tout n'est pas aussi divulgué comme cette partie-là. C'est ça qui est sur la toile là partout. Donc, il faut. Lorsque d'abord, Eva est venue lui parler. Même de son regard et tout, il fallait comprendre. Et il y a encore une autre là, de la fin qui est venue. Elle était obligée souvent de raccrocher le live. Sauf si je ne me trompe pas. Parce qu'il y avait quand même mon écouteur à l'oreille, la partie où Eva a parlé et tout. Seulement du regard de ma pépé. Hein? Les gens devaient comment en savoir que peut-être, you know, qu'elle n'est pas peut-être d'humeur ou quoi que ce soit. Et lui, comme ça, ne suffisait pas. L'autre encore est mort. Oh non, non. Eh non, gardez quand même pour vous. Non, on ne peut pas quand même être aussi hautain. Oui, c'est comment avec vous? C'est comment? Ha! Ah, ça. Vous connaissez même combien de personnes? Hein? Vous connaissez? Excusez-moi, il fait froid. Je vais fermer la porte aussi. La porte du balcon, il fait froid. J'ai chauffé mon bobolo. J'ai ouvert pour aérer un peu la maison. Je n'aime pas l'odeur de la nourriture dans la maison. Là, j'ai fermé. Vous connaissez combien de personnes fêtent leurs anniversaires sans faire du tapage?
Si je vous dis ici là l'anniversaire de la personne qu'une que vous connaissez était hier, mais elle n'a même pas fait de post sur sa page. Quelqu'un que vous on a avec elle nuit et jour, son anniversaire était hier. Elle n'a même pas fait de ta page sur Facebook. N'a pas été ici là, je n'ai même pas parlé de ça. Ha! Non, la pression de ça, c'est obligé. C'est by force. Si toute la team a fait ce qu'ils ont fait et tout, c'est Wallo qui était partout hier. Les gens l'ont honoré hier, toute la team l'a honoré. Quand on le fait là déjà, c'est comme si c'était Maa Pépé qui l'avait fait. Il y a quoi? Non, il faut arrêter. Il faut souvent arrêter, dis donc. Gardez quand même, il faut quand même, quand vous venez à l'extérieur, là, il faut quand même avoir un minimum de savoir-vivre. Vous ne pouvez pas tomber là dehors comme ça, là, comme ça, comme ça, sans avoir un peu du caractère. Hein? Vous vivez où? Avec les qui? C'est quoi? La chose de quelqu'un, vous partez dans la chose de quelqu'un. Hmm? Lui imposer quelque chose. Elle fait le vu ignorer. Vous imposez. Non, I mean, please. Non, maintenant, c'est ça qui est partout sur la toile. Là. Faut arrêter ça, dis donc. Elle dit que l'anniversaire, il y avait un anniversaire hier, le 14 jusqu'à. Mais nous, on n'a pas fait partie. I mean, c'est les choses. I mean, you know. Nous, on n'a pas parlé de ça. Non. Oh, il faut parler de tel. Il faut parler de tel. C'est comment? Please, just stop it. Just stop it. Sometimes you have to let it go. Hey, moi, je n'aime pas moi. Je n'aime pas les écarts pareils. Excusez-moi, mais moi, je n'aime pas moi les écarts pareils. Chacun devrait connaître sa place. L'affaire, c'est qu'on dit que les teams, d'autres personnes, le genre de personnes qui pensent que ils viennent chez toi comme ça, tu leur donnes à manger, ils mangent, ils peuvent même casser ton plat. Hmm? Ils veulent manger, casser le plat, parce qu'ils pensaient qu'ils ont toute la permission. You good? Yeah. Okay. What were you asking her? No, I have to give a code now. Because last time, what do you mean? Excusez-moi, je vais parler un peu avec Zoé. J'ai dit, Mathé, c'est toi avec Mandon Japap. Maman, le Japap de ça. Bonsoir, Mathé. J'espère que tu vas mieux, maman. Comment était ta journée? Non. Vous venez dans la chaîne de quelqu'un, vous lui imposez. Parce que vous faites partie de sa team. Ayez quand même un peu de. Amine. Ayez quand même un peu de la jotte. Oui, il faut parler, il faut parler. Parler de quoi? Get a fucking life. Hein? Il faut parler, parler. Parce que vous dites que vous êtes membre de sa team. Il faut que vous venez maintenant lui imposer certaines choses. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On fait pas. Moi, je n'aime pas ce genre de manque de respect. Là. Les gens pensent que parce que vous êtes ensemble et tout, ils peuvent te tenir certaines écarts de langage ou d'attitude et tout. Non, ça ne va pas. On ne parle. Ah, mais entre les adultes, ce qui devait d'abord hésiter, c'est d'abord le respect qui nous lie. Oh, il faut parler de tel. Oh, tu sais quoi, Naya? Hmm? Coucou, Mathé, c'est comment, non? On te réclamait déjà ici. Bonsoir, Jackie, bonsoir. Mathé, il y a les gens qui te réclamaient déjà, Mathé. Que Madoka, c'est où? Madoka, c'est où? Madoka ne se sent pas bien. Il y a tellement de choses à dire sur la toile, mais la Mathé ne se sent pas bien. La grippe. Quand je vous ai demandé de nous apporter les sujets, vous ne voulez pas parler un peu. Je vais donner un peu mon avis. You know, c'est vrai que je ne connais pas trop les hauts et les bas de ce problème de la Pamela qu'on est parti au Cameroun. Tayabla. Donc moi, je vais parler des petits trucs, de ce que j'ai appris un peu aussi sur Facebook. Là. Vraiment, ce gars-là, il n'est pas sérieux.
OK? Et moi, je dirais que quand vous êtes dans une relation toxique, coucou Chilo, vous les femmes qui êtes dans les relations toxiques là, les hommes vous battent, les hommes vous méprisent, les hommes vous chosifient. OK? Bon, je ne dirais pas qu'on vous animalise parce que nous tous là, nous les êtres humains, on a toujours un côté animal. Dans ce côté-là, on peut un peu, on peut un peu laisser ça en arrière et tout. Les hommes ne vous traitent pas bien. Mais vous pensez que quand vos parents vous mettaient au monde là, ils vous ont mis au monde au nom de ses partenaires, de vos gourous. Sachez quitter une relation qui ne vous va pas. Donnez-vous de la valeur. Votre vie en dépend. Prenez soin de vous, comme je vous l'ai fait savoir hier. Ayez votre santé, prenez soin de votre santé mentale. OK? Parce que non, c'est Madokas qui est malade. C'est pas moi, maman Chilo. C'est pas moi. C'est Madokas qui a sa grippe là. Vous comprenez, non? Quittez les relations toxiques. Faut quitter les relations toxiques avant qu'elles ne vous quittent. Parce que là, quand la relation toxique là va prendre parfois une envergure, OK? On va souvent creuser la terre. On vous met là en bas. Et il faut que ce gars-là, il a les comptes à rendre. Cette fille a effectivement voyagé. Elle a atterri au Cameroun. Et il doit être, ce gars doit être interpellé, toute sa famille. Matin. Ouais, c'est pour Asia, maman la grippe. Et quelle vilaine maladie, Asia. la raison bouchée comme ça, tout est bouché. Tu n'es pas rentré avec le mandala tout matin. Ah, ok. Là, Il fallait demander aux filles de t'acheter les gouttes nasales là. Que tu mettes ça. même ça est fort, maté. Bon, François, c'est fort. Quand il met ça ouvre ma tête. C'est comme ce que les grands-mères tirent souvent là. Tu connais ce que les grands-mères tirent là, non? Ah, N'est pas. quand il met ça, c'est les tirs que je veux voir. Tchac, tchac, C'est vrai ah! que hier, tu éternuais quand tu as mis au téléphone avec moi. Tu as commencé à éternuer subitement. Il dit que les enfants là m'ont fui ici à la maison. Que maman, pardon, ne nous contamine pas la luce là. Maintenant, elle a commencé à éternuer, elle est partie à la pharmacie porter les remèdes jusqu'à. Ouais. Il faut porter les chaussettes. Maman, tu as les chaussettes au pied, j'espère. Il faut te mettre au warm. N'est-ce pas? Yeah, mais je n'ai pas porté les chaussettes comme le sol, il y a les tapis au sol. Je suis très content de vous voir ensemble, mais ça, j'ai trop pris. Merci. Ouais, Christian de Monaco, non, le gars, c'est. Non, 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 c'est un vrai général. Christian de Monaco, Christian m'a framponné, maman. Là où Christian a fini avec moi, j'ai ri jusqu'à j'ai pissé sur moi. Un matin, je me lève et vois que Christian de Monaco a pris ma photo, il est parti mettre, il a zoomé mes dents, il est parti mettre à côté des dents de Pasto. Il dit que j'ai retrouvé la cousine de. J'ai retrouvé la cousine de Dekoma Mougou. J'ai dit que quand j'ai vu le poste là, maté, je suis tombé au sol. J'ai ri jusqu'à. Je voulais aller commenter, mais je suis tombé sur son poste avec mon faux profil. J'ai vu que s'il n'est pas commenté là-bas, il va connaître que c'est faux profil ici là. Je n'ai pas commenté. Mais je voulais aller l'écrire là-bas que t'es mimbang français, tu as compris là, t'es mimbang. Maman, il va mettre à côté. Il va mettre à côté de Dekoma Mougou. Il dit que j'ai retrouvé la cousine de Dekoma Mougou. Non, maman, j'avais ri le poste là. J'ai dit que non, il faut avoir le cardio pour. Il faut avoir le cardio pour être à hey! Non, qui là, Christian de Monaco, maman, c'est un général. Il connaît la langue, maman. Il m'a enseigné, je n'ai rien compris. J'ai dit que il m'a enseigné, je n'ai rien compris, Mathé. Mais Lydie a fait du coup. Dorcas,
Tu n'as pas les terres. Tu es venu chez Bahamas pour les terres. Donc... maman, les écarts aussi, moi, c'est que là-bas que... Laisse les terres de Bahamas tranquilles. Tu es là, tu exploites tes... maman, ma belle famille, là, maman, ils m'ont encerclé. J'ai confirmé aussi. Mais, bien. Maman, c'est au nom de la guerre de Meta. La guerre de Meta. La guerre de Meta. Non, Christian et moi, qu'on m'a trop fait rire. Maman, il était sur moi en tas comme ça. Non, le gars là, il m'a fait rire, j'ai ri jusqu'à son poste là, non, son poste là finit seulement avec moi. J'ai dit que j'ai ri. Je ne vois pas les dents de Décoma Mougui, mais il prend ma paix. Il dit que yeah, wonderful. Il dit que j'avais mangé que quoi. J'avais mangé que quoi le jour là que le gars s'y m'a. Il m'a fait rire comme ça là. J'avais mangé le caramel avec le kaolin blanc. Le kaolin, maman. Christian de Monaco. Il lui a dit que laisse ma tête tranquille, maman. Mais il t'aime, tu sais, je t'aime. Quand tu le fais quelque chose, ça te dérange beaucoup. Ça te dérange beaucoup. Tout le monde sauf toi, ma tête. Non, c'est la guerre de Meta. C'est des bonnes guerres, non, maman. J'attends les patronnés, ils m'enseignent que c'est normal. C'est des bonnes guerres. Tout le monde sauf toi. Parce qu'il y a beaucoup là qui attendent, ils ne gèrent pas. Mais quand c'est toi là, non, 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 ça leur fait trop mal. J'ai dit que Christian de Monaco était sur moi en tas comme ça. J'ai dit en tas. Il ne m'a pas loupé en tout cas. Il ne m'a pas loupé. Toi-même, tu les as loupés, maman. Toi-même, tu étais sur nous, maman. Et toi-même, tu nous loupais, maman. Toi, tu es un gros loupé. On se lève pas à ma tête pour te loupé comme ça. C'est vrai qu'elle voit la guitare. La guitanière, elle a venu dire que. Les TKC l'ont clashé, les TKC composé. Maman, tu attends la patronne, Stéphane Tanguay vont sortir sur toi. Quand tu venais, tu croyais que tu partais où? Eh bien, elle est pas à Fanny Waka. Ah, est-ce que c'est un bon voyage, maman? Quand tu viens à Facebook, dis que tu viens chercher la Starmania. Le jour que ça cuit, va doucement. Mm-hmm. Parce que tu ne pars pas doucement, tu viens avec les problèmes. Maman, Stéphane Tanguay vont t'encercler. Est-ce que c'est la blague? Mm-hmm. C'est pas la blague. Non. Facebook là, maman, il y a des combats rudes. C'était que c'était quand même rude avec la TKC. Surtout quand elle a mis ma bouche au dossier de Tatiana. Non, j'ai lu l'heure avec les TKC. J'ai lu l'heure. Ah, il dit qu'il voulait finir avec toi. Ouais. Il voulait finir avec moi. Il voulait finir seulement avec moi, maman. Mais ça, quand venir calmer, quand j'ai soutenu le patron contre la guitare boss, maman. Moi, même vu la lumière, elle dit que non, laissez pas soutenir ma pépé pour que c'était quand c'est qui derrière moi, maman. Donc, tu lisais le. J'ai dit que, hey, les TKC, maman, ils connaissent ça là en guerre. Maman, les TKC ne blaguent pas, ils sont résistants dans la guerre, maman. Ah. Quand tu restes, tu crois qu'ils ont oublié, après ils sont encore un matin rebelles sur toi. Les TKC. Ils sont résistants dans la guerre. Les Vatangais, c'est les enfants de Oumyobé, la majorité, c'est les enfants de Oumyobé, non. Ils sont gentils. C'est les gens qui ont fait la guerre, les petits-fils des gens qui ont fait la guerre du maquis, ils ont peur de la guerre, maman. Ils sont prêts pour la guerre jusqu'à demain. J'ai un mari d'enseigne. Et viens, ma tête, je sais pas, moi, comme tu ne te sens pas bien, je sais pas si tu avais le temps d'aller même un peu sur Facebook, voir un peu les actualités. Qu'est-ce que tu penses si jamais tu l'as fait? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de la fille qui a disparu de la Belgique, entre la Belgique et le Cameroun là? Voilà, c'est comme moi je vais dire aux gens, j'ai toujours dit ici là que le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà. Moi je sais pas pourquoi les femmes sont toujours là à s'accrocher. Le mariage n'est pas une fin en soi. On se met dans une relation, c'est pour être heureuse, pour être épanouie. Voilà. Et pour que ses intérêts, pour avoir ses intérêts. Si tu es dans un mariage, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie et tes intérêts, tu le vois vraiment, il fait partie. Le mariage, on te tape aujourd'hui, tu supportes, tu dis que non, demain ça va aller, je vais le changer. Tu vas gagner la mort là-bas. Voilà. Il arrive au niveau là où il a tué la fille, ça veut dire que c'était une relation instable. La fille était là, elle s'accrochait. Toxique, toxique. Puis on dit qu'ils se sont séparés. Il est revenu. Yep. Ils s'étaient séparés un moment. Ils s'étaient séparés quand elle avait un enfant. Et après un temps, il est revenu et ils ont fait leur deuxième enfant. Et il a c'est ça. Je sais pas. Ah, mais ça fait là, peur, voilà, hein. Elle a perdu sa vie. Elle perd sa vie comme ça, qui a perdu, c'est elle. Et ses parents qui en souffrent.
C'est elle. C'est elle qui a perdu sa vie. Elle peut mettre elle et ses parents derrière elle et ses enfants derrière elle. Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Mais Mathé, tu penses que c'est un problème de mental health ou c'est comment? Comment tu peux être avec un homme, il flippe comme ça? Mais ça veut dire que c'est un sociopathe ou bien elle n'a pas vu les elle n'a pas vu les signes, elle n'a pas vu elle n'a pas pu détecter ça à temps. Et parce qu'il y a quand même des signes. Un gars ne peut pas se lever, ok, d'une telle légèreté comme ça, te faire venir au Cameroun et te tuer comme ça là, et te kidnapper. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose, Mathé. Il y avait quelque chose. Something was wrong somewhere. Something was wrong. Parce qu'il y a quand même des signes. Il y a quand même des signes. Quand tu as affaire à un sociopathe, il y a quand même des signes. Il ne flippe pas seulement comme ça à la seconde près. Mais il y a quand même des trucs, les actes qu'il amène. Il y a quand même des actions qu'il mène avant l'acte final. Il y a trop de relations toxiques. Tu avais un gars, le gars ne veut pas de toi. Mais c'est toi qui es venu mettre ta camarade tous les jours. Parler du gars. Parler. Combien de femmes single vivent ici là? Sans qu'on entende le bruit au quartier. Hein? Mathé. Ouais. Voilà. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné parfois. Il y a quoi? Ouais. La séparation n'est pas faite pour des chiens. C'est pas toi qui dis que le mariage c'est une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Si tu as la grâce que Dieu t'a donné le mari, que tu es heureuse dedans, tu dis, mais ça ne va pas, il faut partir. C'est mieux d'être seul que de mourir. Voilà. Voilà. Des relations toxiques. Toi, si tu ne meurs pas, on te laisse une séquelle. À vie. Ce n'est pas la bonne. D'autres sont fatales. Je t'ai dit qu'il y a, j'ai raconté l'histoire de ma voisine Bassa ici, là. Elle a fait venir un gars. Et entre-temps qu'elle était en relation avec le gars, et toi, elle était partie ici, elle allait au Cameroun en vacances, elle a connu le gars. Et maintenant, quand elle était ici, entre-temps, le gars avait son pied encore sur un autre petit caillou. Il entretenait une relation avec une fille ici à Atlanta. Elle a fait les papiers du gars et tout, négocier. Le gars a pu entrer ici. Le gars n'est même pas resté ici 3 mois avec elle. Le gars est parti rejoindre sa copine, celle qu'il aimait bien à Atlanta. Elle a fait un stroke à cause de ça. Aujourd'hui, sa bouche est tordue. Sa bouche touche que son épaule gauche. Alors qu'elle était très, très belle à cause d'un homme. Ha! Tu vois l'homme comme ça, quand elle le voyait ici, là, dans notre couloir. C'est le gel que tu veux voir. Son pantalon, hein. Quand tu voyais seulement le pli de son pantalon, tu disais que ça, c'est quelqu'un que tu as fait venir à nous, qui va venir se chercher avec toi. Le gars, c'est là, peut travailler. Max. Et les filles font pour que on les allait chercher des gars qui sont prêts à creuser même la terre pour amener l'argent. Non, elles partent toujours chercher les gars qui mettent les parfums, elles veulent les gars qui sentent bon. Les gars que quand ils vont amener aux États-Unis, on va dire que oui, voilà un gars. Mais il ne peut pas aller, on ne peut pas dire que voilà un travail de plongée pas fait. Il va être la joue des grands. Écoute, et lis un peu les commentaires de Christian de Monaco. Mathé, il y a les insécures pro masse. Comment tu peux vivre en Europe et prendre un billet aller simple pour l'Afrique? Ah, mais peut-être que c'est le gars qui avait tué le cerveau. Que non, je vais voir comment je vais t'acheter un autre billet route. Ah, mais donc le gars, non, ça c'était un psychopathe. Ça c'était un sociopathe. Ça c'est un gars qui a pris un billet aller seulement. Ça veut dire qu'il planifie quelque chose. Qu'est-ce qu'il a pu bien dire à cette fille pour la convaincre? Le mariage n'est pas une fin en soi, mes soeurs. Ce n'est pas une fin en soi. Et puis le mariage ne fait pas toujours le bonheur. Hein. Voilà. Ceux qui sont mariés là, c'est le toit qui cache. C'est le toit qui cache. Hein. C'est bien d'être marié, mais si ça ne remplit pas les conditions, c'est mieux d'être seul. Faut pas être dans un mariage que tu seras traumatisé. Voilà. Et d'autres femmes dont tu joues les passes. Oh, il va changer. Il va changer quand? Il va changer. Tu crois que tu es la meilleure? Il va changer quand il t'a dit qu'il veut changer. Il y a des gens qui ne changent pas. Et il y a même un cas qu'on peut prendre, un cas palpable qui traîne sur les réseaux sociaux ces temps-ci et tout, que je n'aimerais pas citer ici pour d'autres polémiques et tout. Il y a quand même des âges que tu ne peux pas quand même faire changer quelqu'un. Non. Voilà. Non. Il y a des comportements qui deviennent une seconde nature. Pourquoi tu penses que ou tu veux changer? Tu es sa mère pour le faire changer. Tu es sa mère. Pourquoi tu as quelque ces caractères ne te plaisent pas? Pourquoi tu veux signer un gangan? Avant pas, il faut que tu reviennes simplement, c'est tout.
Tu as les commentaires, tu as le volume, tu as mis le volume, je t'écoute. Ah bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Tu as été de regarder un film. Ah, il y a un film qui a mis sur Netflix. Ce n'est pas le film, c'était mon téléphone. Donc, j'avais mis l'autre. Dans ces deux téléphones que je suis le même live. Donc, j'ai coupé l'autre. Non, pose ton movie là, après tu vas regarder. Il faut poser ça. Mais pose. Ça fait le bruit. Non, prends ton attention. Parce que ça se voit dans le live que tu n'es pas avec nous entièrement, quoi. Alors. Il faut poser ça. Après tu vas continuer. Progress bar 48 minutes 22 seconds of 1 hour 15 minutes 56 seconds. Okay. C'est ça. Oui. Parce qu'il ne faut pas. Tu ne peux pas connaître quelqu'un est comme ça, un adulte, un vieux père de la cinquantaine. Il est comme ça. Oh, je vais le faire changer. Toi qui, mamie, dont tu crois que tu es exceptionnel par rapport à tous les autres qui sont passés, qui l'a traumatisé. Traumatisé. Oui. Tu vois un gars, il passe partout, il laisse les mounas, il ne care pas. Tu viens là, oh, je vais le faire changer. Toi qui? Toi, tu vas passer dans la queue. Tu vas prendre que ta place dans la queue. En next. Ah, mais je ne comprends pas comment les gens se donnent de la valeur. Les gens se méprisent au nom des autres. Je ne sais pas comment un être comme moi peut me faire perdre ma valeur à ses dépens. Je ne peux pas même. Et parfois, tu vois les relations comme ça, là, c'est la femme qui a le pouvoir monétaire, même c'est la femme. Hein. Les relations. Le gars, c'est toxique. Un homme comme ça, là, qui ne peut même pas te sortir d'une situation financière comme ça, on dit, ouais, voilà l'homme. Mais c'est toi qui meurs. Tu peux, tu pleures, mais on cherche, mais la personne ne voit pas. On ne voit pas. Mais c'est toi qui es dans tous les toits, tu le soulever, taper le dical au partout. Oh, bah, hey, please. Je ne peux pas aimer, même c'est l'enfant que j'ai poussé de mes entrailles. Je ne peux pas aimer quelqu'un plus que moi-même. Parce que même c'est le feu là qui nous prend. Il va d'abord éteindre de ma part, éteindre de ta part, maman. Bien sûr. Bien sûr. C'est moi qui vais refaire le monde. Parce que si tu meurs, il va tout refaire sa vie. Hein. Voilà, ce sera du next. Donc, mes femmes, les femmes, prenez soin de vous. N'aimez personne, même les enfants que vous avez accouchés plus que vous. Prenez soin. La personne qui compte, c'est d'abord vous. C'est d'abord vous. Arrêtez de vouloir toujours faire des choses pour faire plaisir aux gens. Vous vous accrochez dans des relations qui n'en valent pas la peine. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Soyez des personnes fortes et valables. Soyez des dépenses. Et ne faites quelque chose, do something with your life. Ne soyez pas et ne restez pas là, vous ronger les doigts. C'est la chose de relation là, c'est la chose de circonstances. Et parfois, même les femmes là sont les femmes bien battantes, hein, Maté. Mais elles sont tenues captives parfois par des hommes même qui ne valent pas la peine. Est-ce qu'on va les juger? On ne peut pas les juger, mais tout ce qu'on va dire, c'est que qu'elles retiennent que le mari n'est pas une femme à soi. Si Dieu t'a fait grâce, qu'elle reste avec quelqu'un, c'est bon. Mais si les conditions ne sont pas réunies, mieux vaut être seul que mal accompagné. Il n'y a pas de honte à être seul. Et puis les femmes les plus puissantes du monde, ce ne sont pas les femmes mariées. C'est important. Les femmes les plus puissantes du monde, ce ne sont pas les femmes mariées. Je veux dire les femmes qui impactent. Voilà. Je vais chauffer un peu encore mon thé là pour boire. Il faut boire. Oui. Non, moi, tu dois avoir le thermos. Tu dois avoir le thermos. Maman, c'est quoi comme ça là? On va pas faire ça au village. Voilà, allez. Tu oublies. Merde, c'est quoi ça, maman? Oui, d'abord. Je dis, c'est comment avec toi? On t'a demandé qu'elle allait où? Arrêtez de le marcher avec le nom des gens. Tu vas arrêter ça. C'est toi qui lui as payé le Bénin, Lyon. Même si elle est au Bénin, il n'y a pas les sites touristiques au Bénin. Dis donc, allez-nous avec ça. Fichez-nous le cas avec ça. Dis donc. Laissez les gens tranquilles. Qu'elle est allée au Bénin. Dis donc, fichez-nous le cas. Dis donc, je vais te bloquer. Mais fais là-bas avec ça. N'écris plus tes. Pipi du chien. Dis-le, fiche au camp. Quelqu'un qui a payé le billet d'avion.
Dès qu'elle part là-bas, je vois la mal. Vous savez, nous, on est l'enfant. C'est nous qui l'avons dit. Je ne peux pas parler en raison de ce qu'on a dit. Elle veut bien parler de flore. N'importe. Elle veut détourner le sujet. Elle veut qu'on vienne parler de flore. C'est touristique au Bénin. Hein. C'est les gens qui marchent avec quoi la haine. Oui. Ils veulent tout voir. Les gens se disent. Les gens arrêtent de s'insulter. Quand les gens ne s'insultent pas, ils ne sont pas contents. Ils se nourrissent des insultes. Flore au Bénin. Ça nous concerne en quoi c'est le Bénin? En partant, c'est notre bien d'avion qu'elle est partie avec. Voilà. Bah, alors, ça a été bien qu'elle est partie là-bas. Tu t'es mis sur pour la voir là-bas. Tu voulais qu'elle parte dans ton village, douze que tu sois. Tu voulais qu'elle aille dans ton village. Tu vois, rempli de panaris et avec les pipis du chat dans les trucs de gens. On a dit de parler d'un gars camerounais qui a dit de tuer les femmes dehors. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler. Flore est parti au Bénin. Ça nous concerne en quoi c'est les parties au Bénin. Fermez ça va être bien. Ou c'est un grand mec qui a payé le billet d'avion pour qu'elle parte. Va fermer les frontières, tu comprends, non? Va fermer les frontières, c'est là où on sera. Va demander à ton grand-père de la bloquer là-bas qu'elle ne rentre plus. Qu'elle aille d'abord demander qu'on lui ferme les frontières pour qu'elle atterrisse pas là-bas, qu'elle n'entre pas. Qu'on est bénin. C'est la peur. C'est qui a créé le bénin. Gnagnagna. Respectez-vous, hein. Fichez le cas aux gens, dis donc. On est là où on vous attend que vous venez parler. Tu viens là avec ton liquide jaunâtre et tout. Non. Elle écrit, j'efface le fait qu'elle a la bêtise, le fait qu'elle a insisté. Coucou, Mathé, c'est comment? Le Bénin. C'est toi qui l'as payé le Bénin avant pour aller là-bas. On t'a dit qu'il n'y a pas les sites touristiques au Bénin. Bénin, si tu as les problèmes avec un Bénin, si un Bénin, t'as nia ses fils, ce n'est pas notre problème, ok? Va pleurer loin. Un Bénin t'a traumatisé avec la niaise de ça. Tu vois le Bénin partout. Le traumatisme psychologique. Tu vas pleurer le Bénin tous les jours. C'est sûr que le Bénin, la niaise, la largue. Oui, non. Elle ne veut plus qu'on le Bénin. En l'air d'abord, le serpent que toi-même tu portes sur le terrain là, de venir parler pour les autres. Le serpent que tu t'es partout, t'as porté au rien. En l'air d'abord, ça. Le Bénin. Alors, on a dû le sensibiliser. Il est connu. Il ne lui paye plus le billet d'avion, tu comprends? Baloc. Dans les sacs. Le Baloc. Le voilà. Je reviens encore écrit. Tu as fui. Viens encore écrit tes pertes blanches là et c'est là. Voilà. Elle est longue. Poids d'hérisson dans ses fesses, elle se balade à peau. Tu connais pas là où tu faut aller tailler. Comme tu voulais qu'on t'insulte un peu, là on t'a insulté, mais t'as pas te coucher, tu dors. Tu as eu ta dose. Et pipi, tu n'as pas dormi sans être insulté, va te coucher maintenant, tu dors. Tu as eu ta dose. Voilà. Elle là avec les poils grisants, elle a les fesses, elle fatigue les gens avec. Quoi le Bénin. C'est un nouveau Bénin. Baloc. Quand même, soyez quand même clairvoyant quand vous allez chez les gens. Hein. C'est quoi ce truc-là que le blogging est maintenant? On ne peut pas venir comment parler tout naturellement. Non. Une personne. Elle est là dehors, posée dans la boîte de sardines, sur tous les toits. Tu la cherches dans la journée, tu ne peux pas la voir. Elle a un faux profil. La nuit, elle apparaît. Elle est dehors à 2h du matin de chercher la toiture qu'elle va atterrir sur ça. Elle est venue atterrir sur ta toiture. Elle a vu ce qu'elle cherchait, non? Mais elle fait qu'elle écrit les conneries là depuis efface et continue que le Bénin, c'est un nouveau Bénin. Bap. Enlève d'abord la ceinture du serpent qu'on t'attachait au rein quand tu étais là-bas. Elle est venue nous parler. Elle est là comme ça, elle marche avec la ceinture du serpent au rein. Elle n'a pas encore géré ça. Le traumatisme à vie de ça. La niaise de ton serpent la nuit. Comment va te coucher au lit, tu dois voir. Va te coucher au lit, tu dois voir. Elle va dormir comment? Est-ce qu'elle a fini de distiller la haine? Elle ne va pas dormir. Elle ne distille pas la haine, elle ne va pas dormir. Elle se nourrit que de ça que son serpent là se nourrit. Mm-hmm. La haine. Cherchez comment les gens vont s'insulter, se déchirer matin, midi, soir. On ne connaît pas sa géolocalisation. Elle est là pour créer la haine.
On ne connaît pas d'où elle sort. Elle est en haut sous la toiture dans la boîte de la salle en train de s'envoler partout. Hein? Il crée comme ça. Après, quand on t'insulte, tes enfants sont en faux profil, ils sont bien cachés. Non, demain, va aller dans le lab, dans un autre lab avec, avec un autre faux profil. Hier, dans le lab de Marthe, on a dit qu'elle est partie au Bénin. Elle m'a dit que c'est nous qui avons dit, alors que c'est elle qui est venue dire un autre. Elle est pour au Bénin, ça fait quoi? En quoi cela nous concerne? Elle part avec nos pieds. Wonderful. Elle peut pas faire, dire que cette dame va fermer les frontières qu'elle n'entre pas. Qu'on les bénit. Tous les marabouts qui sont là-bas au château d'eau, tous les béninois, les vrais marabouts sont là-bas au château d'eau. Vous les gérez les béninois, les châteaux rouges, c'est du Bénin. Tu vas aller voir. Oui, elle pleure de ça. Moi, je connais comme ça. Get a fucking life. Who cares? Next. Elle est crue. On va faire quoi avec Donald Trump qui est en train de venir au pouvoir? Toi, tu viens nous parler des affaires de Bénin. On va faire quoi avec Donald Trump qui est en train de venir? Toi, tu viens nous parler du Bénin, mon frère. Pleure partout. Il n'a même pas encore accédé au pouvoir. Il pleure. Les gens disent qu'il regrette. Il est regretté. Hein? Qu'on ne savait pas que c'est comme ça qu'il va faire. Les gens ont voté massivement. Tu as vu le gap qu'il y a eu entre lui et Kamala Ali. C'était quand même un grand gap. Hein? Il a gagné. Gens, la classe moyenne, toute la classe moyenne a voté pour Trump. Parce que les démocrates sont venus au pouvoir. Ils ont asphyxié la classe moyenne. Yeah. Ils ont laissé la classe moyenne dans la pauvreté. Ils ont censuré en votant pour Trump. Yep. Ils ont abandonné carrément le middle class. Ils ont abandonné le middle class. Voilà. Ils ont... okay. C'est le middle class là, alors qu'il les a frappés fort comme ça là, parce qu'ils ont cru que non, le middle class ne valait rien. Les gens vivent dans la misère. Les maisons qu'on louait à $800 sont parties. De $800 à $1,400. Tu peux marcher, tu achètes la nourriture de $100. On n'arrive pas à manger deux jours. On a niqué leur race bien même. Yep. Même si Donald Trump va venir nous pendre seulement, et lui il vient nous pendre que les démocrates la restent. Qu'ils partent. I mean, il dit que oh, il a travaillé, il a fait. Ils ont trop maltraité les gens. 4 ans, c'était la souffrance. Ils ont trop maltraité les gens, Mathé. On ne le ressent pas. Il dit qu'il a fait ceci, il a fait cela, c'était le meilleur présent. Il a fait. Mais moi, je ne ressens pas ça. Hein, je ne ressens pas. Non, mais le problème, c'est que les démocrates ont fait fort. Biden est venu, c'était. Oh là là, il est parti créer la guerre en Ukraine, mon frère. Mais moi, je me suis toujours posé la question, comment on peut dépenser des milliards pour une guerre par mois et on est ici là, on manque de quoi manger. What does that mean? C'est quoi? Trump a dit qu'il va d'abord arrêter ça. Il est allé rencontrer Zelensky. J'ai vu avant-hier. Il a fait une sortie avec Zelensky. Il a rencontré Zelensky. Il a dit que la guerre là va s'arrêter. Parce que l'Amérique n'a aucun intérêt dedans. Tout au contraire, on perd l'argent là pour aider les citizens ici. Alors, les gens sont en train de souffrir aux États-Unis. Et ils sont là en train de dire qu'ils partent financer les guerres à travers le monde. C'est quoi ça? Même la guerre d'Israël là, ça va finir. Au coup des démocrates, moi, s'il y a une chose que moi j'ai aimé sur Trump, tu as compris, Trump a gouverné 4 ans sans guerre. Mm-hmm. Sans guerre. Il a rencontré Poutine. Il a dit que vraiment la guerre ne rapporte, laissons la guerre. Il a rencontré Pyongyang. Pyongyang, aucun président américain, il est parti, il a rencontré Pyongyang. Il a dit que c'est fini. 4 ans, la paix. Dès que les démocrates ont pris le pouvoir, bam, le même mois, voilà, l'Ukraine avec Poutine a commencé. Hein? Mais c'est le Canada que nous on a acheté là, à $1 et quelques, au temps de Trump. Le Canada est monté pour ça. Les week-ends, ça descend même à 99 cents. 95 cents là-bas chez vous, le galon. Parce que le carburant est cher au Texas, c'est pour que les autres États font comment? Voilà. Parce que c'est là-bas le prix de ça. Quand c'est cher, là-bas, mais... vous allez dire que ici, là, ça va nous tuer. Ils ont asphyxié les gens, mon frère. La vie est devenue chère. Je suis allé, tu connais combien Sorel prend l'assurance de voiture? $250 l'assurance de voiture. Par mois. Moi, je suis venu ici aux États-Unis. Moi, j'ai payé l'assurance liability à $40, moi. Oui. Oui. $40 l'habitude. Maintenant, l'habitude, c'est 200 et poussière de dollars. Hein?
Tu aurais payé $250 chaque mois. Ça, c'est un mortgage. Mais. Ça, c'est un canot. C'est carrément un canot. La première RAV4 que j'ai pris aux États-Unis, j'ai payé le canot de la RAV4, là, c'était combien? $306. Oui, quand tu as un bon crédit. Maintenant, la même RAV4, c'est dans les $600-$700 le mortgage. Le canot. Les maisons qu'on doit acheter ici, là, à 150, ici, là, à Houston, il y avait les maisons. 4 chambres, tu as acheté à moins de $100,000. Maintenant, c'est $300,000. Même pas 4 chambres. Si tu as trop de chambres, chance 3 chambres. C'est quoi ça? Depuis 4 ans que Biden est venu au pouvoir. Par exemple, qui part? Il ne nous sert à rien. Qui part? Nous, on va welcome Donald Trump. Donald Trump, c'est mon président. Je l'aime. Président. Oui, parce qu'au moins, il va venir. Hein, il y aura le travail. Quand tu as vu que dès qu'on a dit que Donald Trump a gagné, la crypto-monnaie a explosé sur le marché. Bitcoin a explosé. Tous les hommes d'affaires ont remis leur argent sur le marché. La bourse quand les élections avaient gagné les élections, tous les hommes d'affaires ont retiré leur argent, ils ont gardé à la maison. Dès qu'on a dit que Trump a gagné, l'argent est revenu sur le marché. Il n'a même pas encore le pouvoir. L'argent est revenu sur le marché. Ouais. Le dollar à 612. Le dollar à 612 depuis. Tu as compris. Voilà, Chilo qui dit qu'elle paye $800 full coverage. C'est quoi comme ça? Nous, on payait full coverage aux États-Unis. Tout risque, $120. Moi, je paye tout risque, $120. Parfois, $95, $90, tout risque. Bon, Chilo vit aussi en Floride. Hein. C'est un des temps les plus chers. Non, mais jusque-là. It's too much. It's too much. Voilà. Moi, j'avais pris ma voiture, le taux d'intérêt était à 3%. Maintenant, c'est passé de 3% à 7%. Et c'est tout ça là que Trump a dit qu'il va baisser tout ça. Il a annoncé, il a dit qu'il va baisser tout ça. On ne peut pas asphyxier les gens comme ça. Oui, les hôpitaux là qui croient qu'ils vont venir asphyxier les gens là. Ah, il est en train de donner. Il est en train de venir, hein? Trump est en train de venir. Le côté là, rien que ça là, moi je l'aime. Bon, maintenant il dit qu'il s'attaque aux immigrés. Il ne faut pas que les gens font dans la désinformation. Les seuls immigrés que Trump a un problème avec, c'est les criminels, les drug dealers, ceux qui viennent faire le désordre aux États-Unis. C'est eux que Trump a un problème avec eux. Ouais. Trump a gouverné 4 ans. Il a gouverné 4 ans. Et durant les 4 ans, il ne s'est pas attaqué aux immigrés aux États-Unis, en dehors des drug dealers, les bandits, ceux qui viennent commettre des crimes aux États-Unis. Trump n'a pas déporté plus que Barack Obama. Trump n'a pas déporté plus que Biden. Barack était le plus grand déportant en Chimassa. Barack Obama a déporté, bien même. Alors que quand il est venu au pouvoir, les Noirs ont cru que les Africains ont cru que non, il devait être en paix. Quelle paix? Il a promis qu'il devait donner les papiers aux gens. En partie, il a donné quel papier? Même work permit, il a admissé. On croyait qu'il a admissé, il n'a même pas admissé les gens. Merci. Oui, il disait qu'il devait, il avait promis qu'il devait faire ça. Il a fait 8 ans, il a fait quoi? Rien. Il est parti. Même work permit n'a pas donné aux gens. Même les enfants qu'il avait dit que les enfants qui sont venus ici là tout petits, qu'ils ont gagné, ils devaient donner les papiers. Il n'a pas donné. En partant, même le statut qu'il les avait donné, on a enlevé même encore quand il partait. Pardon, qu'il parte loin. Après Donald Trump. OK? Parce qu'on dit qu'après Donald Trump, c'est le monsieur qui a les voitures Tesla là qui va prendre le pouvoir. Il est mort. Oui, c'est lui qui a soutenu Donald Trump jusqu'à. Il a soutenu toute la campagne de Donald Trump. Maman, après Donald Trump, il n'a qu'à les hommes d'affaires. Nous, on veut les hommes d'affaires. On ne veut plus les politiciens. On ne veut plus critiquer des politiciens. Même son argent, là, il a injecté ça dans l'économie, qu'on sente même mieux. C'est trop. On est asphyxié. Merde. Tu te rends compte? Quand tu partais au marché ici, là, on vendait le paquet de 3 gros bobolos ici, là, à $4.49. Maintenant, c'est $6.99. Voilà. $6.99. Et les mêmes, voilà. Même pour les gros. $6.99. Le paquet de spinach qui coûtait $4.99 est à $6.99. On part où avec sa maman?
on parle avec toi. J'ai dit que et Donald Trump lui-même a fait un discours, non? Il a dit que les étrangers l'ont même voté plus que les Américains même. Les étrangers ont voté Donald Trump en masse, les musulmans en masse. Oui, les hommes spanish aussi, sont eux qui ont eu la victoire. Les alors, non, il fallait qu'on fasse ça aux démocrates là, parce qu'ils ont trop négligé la classe moyenne. On était au quartier en train de souffrir. Ils sont là en train de jouir, de jouir, porter l'argent pour aller faire les guerres pendant que y a misère dans les quartiers. La classe moyenne à l'aise, alors frappé fort, ils ont confirmé le code. Ils disent qu'ils ont le palu, ma maman, j'ai pleuré ma part jusqu'à. J'ai fait 2 jours sans savoir là où j'étais, maman. Tu vas voir quand Donald Trump, toi-même, tu vas me dire. Tu vas voir la différence. Attends, les 3 premiers mois que. D'abord, les 3 premiers mois qu'il prend le pouvoir. Et tu as vu son gouvernement qu'il a en train de former. C'est les non-names. Maman, les fous comme ça. Qui sont déjà dans les réseaux de vol d'argent là, qu'ils ont déjà fait les réseaux. Non, c'est les jeunes là qu'ils veulent faire carrière. C'est lui qui est en train de s'entraîner. Il y a un gouvernement qui a des criminels. Parce que les gars comme celui-là qui a en train de choisir, les Matt Gaetz là qui choisit comme General Attorney, c'est un crime. C'est un gars qui a les pouvoirs de la justice pour avoir violé une fille de 17 ans. Voilà. Il faut être le tough of juste, de la justice. C'est mon président. Hey, même la première fois, là, moi j'étais pro-Trump. C'est parce que toute la campagne de Trump, moi j'étais pas ici, j'étais ici aux États-Unis. Maman, j'allais faire sa campagne jusqu'à. J'allais marcher dans les rues avec les Américains. Moi. Ah. Moi j'étais pro-Trump jusqu'à. C'est même plus bon. Mm-hmm. Je sais que tu aimes bien ton Trump. C'est qu'il y a des informations, on dit que non, il va s'attaquer aux émigrés. Il a fait 4 ans, il s'est attaqué à qui? Tout le monde était moins. Hey, tout le monde était bien. Tout était moins cher. Chacun a trouvé son corps. Maman, les stimulus check de ça, maman. Tu restes quand on te donne $12,000. Ils ont payé ma maison pendant 14 mois gratuits. 14 mois gratuits durant le COVID. Là. Ils ont payé 14 mois de loyer gratuit. Oui, hey, Trump nous a partagé l'argent jusqu'à quand il y avait le Covid. Trump nous a partagé l'argent. Et tu restes ici. Ah, moi, j'ai reçu 12 000 dollars de stimulus check. 12 000 dollars. Ah. Quand tu avais une famille, la famille nombreuse, ils ont eu l'argent. Les familles nombreuses. Il y a des gens qui ont pu aller construire les maisons au Cameroun. Moi, j'ai des amis qui ont pris l'argent là pour aller construire. Ah. D'autres ont pris, elles ont mangé. Catholic Charity donnait l'argent, les ONG donnaient, le gouvernement donnait. Il y avait l'argent de Rome. Oh non, Trump, pardon. Tu restes à la maison, tu reçois le chèque de 1900 dollars par semaine. Maman, c'est un carton d'argent, ça doit travailler. Bah, c'était trop bon. Tu restes à la maison, tu avais les enfants comme ça, on donne ta part, on donne pour les enfants, on donne ta part, maman. Tu restes comme ça, un 5 000 dollars atterri dans ton corps, tu prends là. Il a été en maison 14 mois de loyer, maman. Hein? 14 mois. C'était la belle époque. Trump, c'est mon président, maman. On veut parler, les démocrates disent que ce n'était pas son argent, que c'était là, que c'est le Congrès, que c'était là, les États-Unis, ce n'est pas pour lui. Maman, donnez-moi. Je ne sais pas que c'est ton argent, ce n'est pas son argent, puis vu que nous, on est à l'aise. Ça ne nous concerne à rien. Tu vas voir, non? Attends que Trump vienne au pouvoir. Tu vas voir. Trump n'a pas de problème avec les immigrés. Trump a le problème avec ceux qui viennent commettre des crimes aux États-Unis. Si tu n'as pas de crimes, il n'a pas de raison pour t'arrêter ou pour t'attaquer. Non. Il a le problème avec ceux qui viennent commettre le désordre aux États-Unis. Oui. Parce que tous ceux-là qui ne peuvent pas rester tranquilles, là, ils sont déjà en train de faire leurs valises pour partir. Parce que Trump est en train de venir pour eux. Hein. Trump est en train de venir pour eux. Et il ne vient pas pour s'amuser. Ah. Tous les criminels, tous ceux qui ont le sale poli, le criminel. Les gars, quand on a dit le juger, le gars. Il a un problème plus avec les Mexicains qui viennent vendre la drogue aux États-Unis. C'est plus. Il connaît, est-ce que c'est nous les Afro? C'est plus ceux qui traversent les frontières avec la drogue pour venir vendre aux États-Unis que Trump a un problème avec eux. Trump ne refuse pas l'immigration aux États-Unis. Il dit que si tu veux venir, viens légalement, qu'on connaît qui est en train de venir.
ne sais pas que tu es un criminel dans ton village. Tu viens entrer pour tuer les gens et tu parles, ne sais même pas qui a tué parce qu'il n'y a pas de record. Merci, Cola. Il aura le conseil du Congrès, du Sénat, maman. Il va et que le pouvoir là, c'est pour lui. On a qui va il va nous gouverner. Là, chacun va jouer tout pour le tout. 4 years. Parce que c'est un mandat non renouvelable parce qu'il ne se tue pas par le pouvoir 3 fois. Non, non, non. Il y a ton, ce sont des mandats qu'il va faire comme ça. Un turn. Il va aller se reposer, maman. Son dernier mandat comme il a échappé de justice de prison. Les démocrates, d'autres personnes en veulent aux démocrates. Ils font les trucs, ils sont dans les trucs où on va dire que quoi, que normal, on devait lui enlever le truc là, qu'il ne peut plus, on devait le battre, qu'il ne peut plus run pour un. C'était facile. Lui-même, il était facile. Ils ont vu, ils n'ont pas pu. Il était facile. Lui-même, il a entouré des meilleurs avocats au monde. Est-ce qu'il est facile lui-même? Ça lui a comme est facile. De sa tête, hein. Ah, merde. Tu connais les avocats de Trump. Est-ce que Trump lui-même est facile? Il n'est pas facile. Je dis que les Trump n'est pas facile. Il y a les problèmes là. D'autres disent que normalement, il ne devait pas mettre la pression qu'il devait laisser Biden. Est-ce que Biden devait gagner? Biden ne pouvait pas gagner devant Trump. Biden, pardon, qui passe se reposer? 4 ans là, on a vu ses compétences en 4 ans. Qui partait se reposer, les gens. Tu as vu leur premier débat là, et tout. Moi, j'ai eu pitié de lui et tout. C'est après le premier débat là que Trump l'avait crush là, qu'on lui a mis la pression que ton papa va te reposer. Merde. Quelqu'un qui n'avait même plus à bien marcher, qui a fatigué. Qui laisse comme ça? La vieille, c'est une grâce, mais vraiment qui part de se reposer. Qui l'a expliqué? Ce n'est pas comme dans d'autres pays que quelqu'un est vieux, n'arrive même plus à se mettre. Pardon, ne parle même pas de ça. Il faut les laisser avec. Chacun va te gouverner. Si tu fais ton lit le soir, tu vas te coucher sur sa dormir. Merde. Tu vois, quelqu'un n'arrive plus à marcher, n'arrive même plus à mettre le pied et toi accroché au pouvoir. Non. Le blanc lui-même, quand il voit que ça ne donne pas, c'est lui qui dit que je ne peux plus. Mm-hmm. Il te dit, ça ne peut plus. Il passe se reposer tranquillement. Moi, je ne sais pas pourquoi le repos est un problème pour certaines personnes. Le gens que j'aime me reposer là, le repos fait mal aux gens, pourquoi même? Sortir maintenant par la grande porte, il passe se reposer tranquillement. Il commence à jouer au golf avec sa vieille femme. Il commence à se balader un peu là, faire balader ses petits-fils là tranquillement. On va les démocrates vont le célébrer. Il a eu une très belle carrière politique et hormis la politique, hormis nos divergences politiques, c'est he's a good boy. Biden n'a jamais voulu faire la politique pour être président de la République. Parce que je me rappelle quand Trump partait, on a dit à Biden, quelqu'un a fait un joke, il faut qu'il mette sa candidature. Il a dit un truc là comme si que Dieu m'en préserve. Tu sens qu'on l'a seulement forcé. Kamala 2028, elle va passer par où? Si Hillary Clinton n'a pas pu, c'est elle. Hillary Clinton a toute une histoire politique derrière elle. Elle aura. Parce qu'elle a quand même mis son ground. Maintenant, les gens la connaissent déjà. Tu as vu le gap qu'il y a entre elle et Trump? Tu n'as pas non. Vu le gap qu'il y a c'est la victoire là. Ce n'est pas de 3 points. Un gros gap. Et on a dit de compter encore les votes. Hein. Pour faire quoi? Il a gagné dans le C. On compte encore pour faire quoi? Ce n'est pas comme les pays, comme les chiffres au country. Ici, là, à moins d'une heure, quand on a fermé les votes, là, à moins d'une heure, on connaît qui a gagné. Ce n'est pas comme les chiffres au country, qu'après un mois, on compte toujours. Mais les gens sont tous en attente, ils attendent. Pendant qu'ils ont en train de changer les trucs dans les urnes. Parfois, on porte même les urnes, on fuit avec. On dit que d'autres gens ont porté les urnes, ils ont fui avec. Sans compter les bagages, les gens sortent une larme, ils portent ça, ils partent avec. Si elle arrive qu'une, donc avec tout un bagage, toute une histoire, une carrière politique, c'est Kamala. Kamala a quelle carrière politique? On la connaît seulement vice-présidente. Elle a quelle carrière politique? Quand on demande
aux gens qui votaient même pour Kamala que quelle est son, sa carrière politique. Toi, mais tu demandes qu'elle elle a quelle carrière politique, tu vas dire quoi? Alors que Hillary Clinton a toute une carrière de près de 40 ans. Si elle n'a pas pu, il faut laisser, disons. Après, elle, après Donald Trump, là, c'est le monsieur de Tesla qui va prendre le pouvoir. C'est tout. Nous, on veut les hommes d'affaires, on est fatigués des politiciens. Yeah, Mathieu. Tu crois que Elon Musk ça peut poser sa candidature? Qui va voter pour lui? Il y aura les pourquoi pas? Il a beaucoup, il est maire, il a fait la campagne avec Trump. Peut-être que tu ne suivais pas la campagne, même comme tu étais aux États-Unis là. Il a beaucoup fait la campagne avec Trump, beaucoup même. Beaucoup. Il a morcelé un psychopathe. Il a beaucoup d'argent. On veut les hommes d'affaires. Oui, les hommes qui vont venir pour veiller aux intérêts de tous les Américains et non les gens qui vont venir pour veiller à leurs intérêts. Et les guerres passées par les non-sens, guerres qui n'ont même pas de sens. Il y a un pays qui entretient une guerre entre son peuple. I mean, qui va gagner un jour? Quand les militaires, quand les hommes attendus portent l'arme pour, contre leur peuple, qui va gagner? Même pas pour un pays voisin. Ça va finir quand? Il y a quelqu'un qui dit que donc, ça serait comme au Cameroun en 2027. Ça me concerne, maman. Je suis américaine. Moi, je parle de nos choses des États-Unis. Le Cameroun, ça vous concerne là-bas. Si vous voulez manger, vous voulez préparer vous dans le Congré. Si vous voulez préparer vous dans le Bongo. Si vous voulez piler vous comme le tarot. Ça me concerne en rien. Tu es dans le pays le plus safe du monde. Qu'est-ce que j'ai? Moi, c'est le Cameroun me concerne en quoi? Si vous voulez piler vous comme le Munda. Pilez-vous comme le pain, ça vous concerne, ça ne me concerne pas. C'est vous qui allez choquer là-bas, vous allez choquer la galère, vous choquer ça avec vous, mon frère. Si je fais clou, viens me balader, Ndem. Tu peux te rafraîchir la mémoire. On a assis par toi, on attend aussi. Tu dis que quoi que Elon Musk ne oui le monsieur de Tesla là que il est sud-africain moi je croyais qu'il était américain. Il est né en Afrique du Sud, c'est le blanc d'Afrique du Sud là. Ah il est né là-bas mais l'américain non s'il est né là-bas il ne peut pas mettre sa candidature. Il peut être né sur le territoire américain. On dit que il peut être né. Donc Elon Musk est né en Afrique du Sud. Hein. On dit que c'est un Sud-Africain. Merci de la cause. Moi, je ne savais pas ça. On voit maintenant les gens qui vont venir nous aider. Vont venir avec les affaires. Maintenant, quand Trump vient là comme ça, il baisse le taux d'intérêt. Il oblige les sociétés. À, au lieu d'aller ouvrir, manufacturer en Chine, il les oblige à le faire ici. Là, il baisse le taux d'intérêt pour les permettre. Il va augmenter le minimum wage. Voilà. Il faut qu'il augmente le minimum wage. Là, il met ça que fédéral. Donc, déjà que tous les États, il met ça que fédéral. Il met ça qu'à fédéral minimum wage. Okay. On va voir. Surtout que le Sénat, tout le Sénat, en majorité, c'est les républicains qui ont gagné le Sénat. Donc, toutes les lois qui vont passer là, ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça. Parce qu'une chose que Barack Obama s'est plaint sur ça, c'était qu'il voulait passer les lois, mais comme c'est le Sénat, c'était les républicains qui avaient le Sénat. Toutes les lois que. Ils passaient au Sénat. Ils ont combattu beaucoup Obama. Ils avaient combattu. Mitch McConnell, le vieux machin là qui ne parle plus là. Il a aussi beaucoup mis le pied dans le mandat d'Obama. Hein. Mitch McConnell.
Maintenant, il y a plus, ce n'est plus une femme qui est présidente du Sénat, c'est un homme maintenant. Non. Il a prêté seulement. Nancy Pelosi était toujours au Congrès, maman. Elle est au Congrès. Ah non, au Congrès. Elle est plus présente. Elle est man. Je pense que c'est le gars de New York là, qui est même le leader des de minorités. Oui, hein. Il y a un autre qu'on a voté, il a prêté seulement hier. Oui, maman, le John Tum là de Sa Dakota là, ce sont les puppets. Trump, ce sont les puppets. Ce sont pas. Trump a tué le Parti républicain, ce sont les Trump puppets. Il les tient comme des enfants. Il dit maintenant que les gens ne vont pas aller au procès. Les gens, qu'on va leur poser des questions, on va les mettre et tout. Il dit que non, il faut qu'on les mette seulement là-bas, qu'il faut qu'ils fassent le truc de truc de concession là, et qu'il faut qu'il y ait une loi là, qu'il faut qu'ils appliquent ça pour que tous ces membres du cabinet, avec tous les fous là, on va les mettre. Il faut qu'ils passent au procès. On va les mettre. On va les asseoir, on va poser des questions. Et il faut que ce soit, télévisé comme pour tout le monde. Ils ne vont pas venir changer les lois. Même le gouverneur du Texas a prêté seulement hier. Elle a fait beaucoup de. Elle a fait beaucoup d'amendements sur les taux d'intérêt pour baisser un peu la vie chère. C'est un pays grec, Abila. C'est un pays Abila. Non, il y a une femme. C'est une femme qui a gagné. Qui est gouverneur du. Donc, c'est depuis le gars dans la chaise roulante là. Non, ça c'est au Texas, non, Abbott, non. Greg Abbott. Mais je parle d'où? Moi je parle de New York. Ah, ok. C'est une femme qui a gagné là-bas. Greg Abbott, c'est le gouverneur du Texas. C'est mon gouverneur là-bas. Mm-hmm. C'est un pro-Trump. Le Texas soutient Trump, c'est le pro-Trump. Mais la femme de New York, elle était toujours là, non? Elle a remplacé le gars de Cuomo là, non? Elle était lieutenant quand Cuomo était là. Après, quand il a eu son scandale, elle est partie, elle a remplacé Cuomo. Après, il y a eu les élections en janvier, passé au sud, parce qu'elle a gagné, non? Son mandat est déjà atteint. Elle a depuis. Elle est à Fox News, elle était en train de. Elle était en train de tenir un discours. Elle est là. Elle était lieutenant quand Cuomo a eu son scandale, il est parti. Elle est obligée de le rendre. Il y a quelqu'un qui dit que si Trump ne passait pas, il devait aller en prison. C'est faux. Quand elle n'est pas là en prison, est-ce qu'on attendait que les élections soient. La couleur de Trump, jamais l'amener en prison. Dis donc, que les démocrates laissent ça. La couleur, si c'était noir, c'est qu'il était en prison. C'était Obama, c'est qu'il était en prison. Quand on dit que. Nobody is above the law, c'est faux. Il y a des gens qui sont au-dessus. Sinon, lui-même, il a dit non, que même Hillary Clinton, là, elle-même, elle devait être Ngata depuis. Parce qu'elle a les quatre ans qu'elle traîne. Même la campagne qu'elle faisait avec Hillary, il a dit ça plusieurs fois, que normalement, ta place doit être. devait être derrière les barreaux. Lui, encore, il s'est dit, lock him out. Lock him out. Il pleurait, non. Alors que. Il chantait ça pour Hillary, même lui aussi, quand il partait dans les campagnes, quand on chantait ça pour lui, il était fâché. Il y avait les emails d'Hillary qu'on disait qu'elle sort. Et quand il avait gagné le pouvoir, il y a 4 ans avant, là, il avait dit qu'il va sortir tous les emails. Là. Dès qu'il arrive, on lui a dit que non, c'est les trucs top secrets et tout, et machin. Ça va impliquer l'État. Il a laissé, mais. Mais s'il n'avait pas vraiment gagné la présidence, Lakeisha James de New York, là, la générale attendue de New York, elle allait le mettre en prison. Parce que Lakeisha James le déteste jusqu'à. Lakeisha James. Mais si elle m'a pu en 4 ans qu'il n'était pas président, c'est maintenant qu'elle devait faire quoi? Ah, et c'est trop aussi facile. Il l'a nommé, il a pris un jeune là pour la remplacer. Non, elle va sauter. Non, c'est pas lui qui nomme le général Tony. On faisait les élections des États. Lui, son général, son gouvernement. Mais pour les États, c'est la population qui vote pour eux. Colamé, tu dis quoi, même? Ah là là, les Américains ont les problèmes, maman. Non, les pays démocratiques là sont très bien. Tu as vu que Trump a gagné, il n'y a pas de que on va dire qu'on discute. On n'a rien à discuter. Non, la,
la transition va se passer dans la paix. C'est pas comme dans les pays bizarres, bizarres là que on les gagne. Au lieu de partir doucement, il veut d'abord mettre le chaos au pays. Il veut tuer tout le monde. Nous, ici là, quand on dit que tu n'as pas gagné, tu portes tes clics et tes claques sans faire de bruit. Tu pars. Parce que le pays ne t'appartient pas. Pars doucement. Le problème, c'est que le FBI est en train de nous faire les formations every morning parce qu'on espère les gens qui vont protester. Tout ça, ça va être très grave à dire ici. Ça va être très grave. Il y aura les protestants. Et tu crois que les pro-démocrates sont plus violents que les pro-Trump? Chacun va rester dans sa maison, il va raser les murs. Parce que les pro-Trump, c'est des gens qui sont prêts. Pardon. Tu as seulement vu la campagne, la violence qu'il y avait lors de la campagne. On dit qu'on va soumettre tout le monde de shot dans tous les business et tout. Oui, on va shot parce qu'on ne veut pas. Si on met des cassis, c'est l'intérêt. Et les gens en board. Ils vont mettre les contreplaqués là pour leur vitrine et tout. Ils vont mettre les contreplaqués hop. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui seront à Washington vont aller pour assister à la passation. Les gens vont aller. Il y a toujours le monde. Quand Barack Obama avait gagné, maman, la passation, quand il prêtait ses mains, hey, maman, le monde, tous les noirs, le monde qu'il y avait là-bas. Trump is back. Trump est de retour. C'est ce que l'autre lui a dit, non, quand il allait au Oval Office. C'est ce que Biden lui a dit, welcome back. Tu as vu la politique, maman? On met deux ennemis par terre. Et on les oblige à rire, à sourire, parce qu'ils doivent présenter une belle image au monde entier. Mm-hmm. Des ennemis. La politique, c'est quelque chose, c'est un mauvais truc. Et toi, mais revenu cette fois-ci préparé. C'est la première fois, il venait comme homme d'affaires, il ne venait pas comme politicien. Donc les 4 ans qu'il a fait là, et les 4 ans qu'il est parti se reposer, le gars a compris la politique. Et maintenant, là, il est revenu vraiment comme politicien. Si ne meurt pas le parti républicain ne peut plus être comme avant. Parce que même après les mandats, là, pour que n'importe qui gagne les élections, s'il ne fait pas la campagne pour toi, s'il est contre toi, tu ne gagnes pas. Tous ceux qui ont essayé avec lui, il les a fait perdre leur place au Sénat ou au Congrès. Il y a un revengeur, il aime trop la rancune. C'est un côté que je n'aime pas en lui. Il est très rancunier. Il a fait. Cela a perdu un bon poste. Parce que si Kamel avait gagné, on dit qu'elle devait donner le poste de directrice du service d'intelligence à la fille de l'ancien premier ministre. On l'appelait que Kira. Celui qui est de la chaise roulante là. L'ancien premier ministre. Alice Cheney. Elle devait travailler avec Kamala. Elle devait être la directrice de DI. La direction des services d'intelligence. Là. Non. Trump est ce j'aime son esprit. C'est un homme déterminé. C'est la vraie définition de ce que les Américains disent seulement. Go for what you want. Quand tu veux quelque chose, pas pour ça. Don't let anything to stop you. Go for that. Il est un exemple par rapport à ce qu'on appelle la résilience. Mm-hmm. Il est très résilient. C'est ce côté-là et déterminant. C'est ce côté-là que j'aime en lui. Le vieux père, s'il ne meurt pas, le parti républicain ne peut pas être comme avant. Trump, non. Dernier mandat, il va partir, il va vous laisser. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de partir, il y a un autre Trump qui va se lever encore. Oui. Après lui, il y aura un autre Trump. C'est ça. Sa fille ne veut même pas être. Elle ne veut même pas passer là-bas parce qu'elle a échappé en attaquant son mari. Elle ne sa veut fille. Même pas être... Oui. Ils ont échappé au gâteau de justice. C'est pour ça que d'autres personnes disent que sont eux qui ont snitch en Trump
qu'elle a suivi avec son mari sur son père pour sauver leur tête, parce que d'autres choses que le FBI est au courant sont ceux qui ont signé sur son vu qu'elle a monté les documents confidentiels, les top secrets qu'elle a eu quelque part là-bas chez lui pour sauver leur tête. Mm-hmm. Tout son gars là, Jerry Kushner, il était à un doigt pour aller au Ngata. Ils ont snitch. Tu ne peux même pas le voir auprès de Trump. Il ne passe même plus là-bas. Il a échappé de la prison de justice. Kushner. En tout cas, il n'a qu'à rester loin. Il laisse Trump gérer au pays. Elle était quand même très présente lors de notre mandat de son père. Je l'aime bien, sa fille là. Elle est très belle. Quand tu vois leurs photos de famille, on dirait des poupées. L'argent est bien, Matt, et cherchons l'argent vivant. Maman. Il avait porté leur mère, aller enterrer dans le golf course. Au terrain du golf. L'argent est bien, maman. Le vrai agent Mater. Le vrai, ouais, pas le faux. Le vrai agent Mater revient encore la dernière fois, encore First Lady. C'était la première personne qui est venue partir de l'Ukraine pour venir aux États-Unis. Elle est devenue première dame des États-Unis. De la. Comment on appelle le petit pays là? Même pas de. Le pays là, c'est la Sylvanie. On appelle ça quoi là? La Slovanie. Voilà les pays. Proche de la Russie et l'Ukraine. Les pays de l'Europe de l'Est, là. Elle est slovaque. Elle, hein? Mm-hmm. Est une slovaque. Je crois qu'elle était ukrainienne. Non, elle n'est pas derrière l'Ukraine. Mais c'est les pays frères, les pays frontaliers, là. C'est la guerre qu'ils avaient divisée, non? La guerre qu'ils avaient divisée, c'est les pays. Zelensky, Poutine et. Solvénie. Souvenir. C'est un petit pays. On dit que tu peux plus de pays là en une demi-journée. C'est comme une île. Hein? Il dit que c'est comme une île. Tu peux faire le tour de la Slovénie là en un seul jour. N'est-ce pas? Mm-hmm. Là, voilà, c'est une première dame des États-Unis. Elle va ramasser tout son village et venir avec aux États-Unis. Ils vont entrer ici qu'à compter, mais. Ses parents sont ici, non? Il veut dire tout son village, n'est-ce qu'elle pas ici? Il dit tout son village. Mais il sait pas si elle avait les siblings, c'est comme si c'était enfant unique. Il sait pas si elle a les siblings. Ou elle a une soeur ou ce pas. C'est un seul garçon, son fils là. Mm-hmm. Il est de haut comme son père. Il a ressemblé à son père jusqu'à. Il est grand de taille jusqu'à beau comme ça là. Mm-hmm. Et il paraît que lui vient d'une page TikTok, hein, que c'est à cause de lui que son fils a gagné, que Trump a gagné toutes les élections des jeunes là. Parce qu'il est beaucoup aimé, non? Par sa génération. Donc, toute sa génération, là, ils ont voté pour Trump. Nice. Moi, je ne savais pas qu'il était sur les réseaux sociaux. Hein. Elle va une fois déporter tout son village ici, là, maman. Mon frère est ministre, moi aussi, je suis à Ono. C'est tout. Elle va déporter tout son village ici, là. Si elle reste là-bas, c'est que c'est lui-même qui veut. C'est tout, maman. Ouais, ça pour aussi être comme ça que la démocratie, on fait les élections. On vient, on accepte les résultats. On passe à une transition simple comme ça et calme et tout. Maman, les succès de sang, là, ils vont vouloir laisser le pouvoir, maman. Tant qu'ils ne tuent pas tous les compatriotes, ils ne vont pas quitter. Ils vont dire qu'au lieu de laisser mieux, ils tuent tout le monde. Au lieu de laisser mieux, qu'ils aiment tout le monde. Voilà. Il n'y a aucune de ces femmes qui est américaine. Toutes ces femmes sont tous les étrangers.
la deuxième est la mère. Voilà, si il veut déporter les étrangers, il doit d'abord déporter sa propre femme. C'est ce qu'on disait, qu'il faut qu'il déporte toutes ses femmes-là. Elle est de la Tchécoslovaquie. Elle est de la Tchécoslovaquie. S'il veut déporter, non, il déporte d'abord sa propre femme. Il doit commencer par là. Elle-même, elle est venue sans papier aux États-Unis. Donc, c'est la désinformation que les gens... Il n'a pas de problème avec les immigrés. Il a les problèmes avec les bandits qui viennent faire du mal dans ce pays. Il va d'abord passer par les gouverneurs des États bleus, les démocrates ne vont pas lui donner accès parce qu'il faut que les gouverneurs acceptent pour que les law enforcement là entre pour pratiquer sur leur territoire. Ils ne vont même pas accepter. Et en dehors de ça, il y a une loi des immigrés. On dit que quand on t'arrête, tu peux faire appel. Oui. On ne peut pas t'empêcher de faire appel. C'est la loi qui demande. Chacun a son forte amène maintenant. Voilà. Et il y a les appels maintenant. Quand tu vois, pour que le juge arrive sur toi pour venir t'écouter, ça peut faire même 3 ans. C'est pour ça qu'il part, il fuit, il s'évade. Un expert a essayé d'étudier. Il a dit que la déportation qu'il a en train de dire, ça ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas ramasser des gens comme ça, on déporte. Non. Qu'on arrête, c'est pas les animaux, qu'on arrête. Il y a une loi de l'immigration. Quand t'arrêtes, on va te demander que, mais tu es venu comment, tu fais comment. Tu dois passer devant le juge et expliquer ton problème. Ce n'est pas un officier de prendre la décision, c'est un juge. Oui, bon, chacun a droit. Chacun a droit à un process. Tu ne peux pas, c'est quand même un pays de loi, tu ne peux pas quand même. Alors, il y a un process. Que chacun doit suivre. On ne ramasse pas les gens comme ça. Même ceux qui ont commis des crimes, on te tue, passe d'abord devant un juge. Le juge t'écoute. Il y a trop de désinformation. Là, ne peut même pas. Massachusetts a dit que pendant qu'il est temps, tu n'as même pas. Californie, alors où est-ce que le cœur du le poumon, le, que le cœur de ça, les, qui partent loin avec ça. Qui partent. Californie, ils ne vont pas entrer, ils vont bloquer. Tant que le gouverneur n'est pas OK. Les gens ne peuvent pas rien de... Oui, parce qu'il y a un gouverneur qui a dit que dans son état, on ne va déporter personne. Tous les états bleus là, des démocrates, là, ils ne peuvent pas. Même quand il était là-bas, même dans son premier mandat, il a... gagné en Californie, ou c'est l'autre qui a gagné, c'est Kamala, Alice Kamala. Hé, maman, un républicain peut gagner la politique. Maman, c'est lui ici au Texas, il va déporter qu'en conteneur, parce que le Texas, c'est le QG. C'est le QG de Trump ici, là. Maman, est-ce qu'un républicain ne peut même pas gagner? 2025, Cameroun, on fait comment? Maman, ça vous concerne, non? Maman, faut de nous. Si tu es Camerounaise, c'est ton problème, non, maman? Nous, on parle des affaires des Américains. Le Cameroun nous concerne en quoi? Tant elle-même pense que papa veut nous poser. Que... Dis-nous aussi ce que tu penses, mamie. Que on pense. Dis-nous aussi ce que tu penses, non, maman? Nous, on parle des pays là où la démocratie prône. Au Cameroun, il y a la démocratie, maman. Maman, on dit qu'au Cameroun, quelqu'un peut être mis sa candidature même 100 fois tant qu'il est vivant. Tu vois, le système a pu vous envoyer comme toi. Le système a éteint à petit feu, ma ça. Et quelque part, comme toi, par un moment, on ne le sent même pas. Maman, alors que les le père est soufflé. Le RDP, c'est là, est soufflé. Et il est fatigué, le poids de l'âge aussi. Et que le RDP, c'est un essoufflé pour Kamto, le père là. En tout cas, c'est moi Kamto et pas moi m'asseoir. Il a fait ce qu'il a pu. Pas Kamto a fait ce qu'il a pu. Faut pas qu'on parle qu'on le chicoter quelque part là. Mieux laisse. Les Camerounais, faut pas acheter leurs problèmes. Il faut les laisser. Ils méritent le président là. Les Camerounais méritent. Mais vous qui avez pitié. Tu crois qu'ils méritent mieux? Ils ne méritent pas mieux. Les Camerounais méritent le président. La méchante. C'est d'abord un peuple qui pense là-bas eux-mêmes. Ils sont encore, c'est Dieu qui va nous sauver. Ils boivent. Papa doit les piler comme le Ninja même. Il mérite ça jusqu'à demain. Il mérite. Ce n'est pas les gens qu'on doit avoir pitié de. Il ne faut même pas avoir pitié de Camerounais. Papa doit les piler comme le Pen. Et ils te méritent ce qui les arrive. Un peuple qui. Je crois que notre pays là a le droit d'avoir un nouveau président. Maman, va mettre alors ton président là-bas. Non, parler c'est facile. Va être président. On a fait. Ton père, tu peux mettre là-bas, maman. Pourquoi pas? Elle-même, la fille du machin là.
qu'on la fille présidente. Ouais. Toi-même va être. Mais prends ton père, tu vas mettre là-bas, non? Ouais, et toujours ouvert, non, ma? Tu crois que les pays non, qui ne connaissent pas la démocratie, là, maman, c'est la répression, hein? La répression, tu blagues. Tu vas venir pleurer comme Longa Longa. Tu crois que quand Longa Longa pleure, là, c'est la blague qui on a vraiment mis ses mimbangs, on a fessé ses mimbangs. Est-ce que les gars la blague? Le machin va te broyer. C'est un système de tout. C'est un système de tout. L'État est un monstre froid, vous n'avez pas compris. C'est vrai en plus. Surtout dans un État dictatorial. Quand tu es dans les États dictatoriaux, là, maman, attache ta ceinture. Comme il a dit tantôt que je ne regarde même pour moi les équinoxes, maman, c'est trop de bois pour moi. On dit que Marie-Paul entre les mains. Marie-Paul Angos, Nanga, entre les mains de la police. Maman, c'est le pays, non? C'est le pays, non? C'est les gens qui disaient que le Camerounais, tu veux que nous on dise que quoi, non, maman? C'est le pays. Voilà, ils ont leur oncle. Elle va prendre des saisons, on va venir la libérer. Si on m'arrête une comme moi, là, moi j'ai qui, maman? Maman, une pauvre gars, fils comme moi, va appeler qui, je connais qui où. On va me fouetter là-bas jusqu'à ma part, va venir. Peut-être que c'est mon passeport bleu qui va me sauver. Maman, un pays de tous les petits présidents, tu connais qui je suis. Tout le monde est présent. Les petits présidents. Wayema, mais il y a l'heure, Wayema qui m'a. Hé, tu me connais, va te montrer, tu ne me connais pas, maman. Avant de regarder sur le téléphone, on commence à appeler les numéros de ça. Maman, Meneza, Monsieur Jomezing, je ne suis personne au Cameroun, Ngongo. Maïe, mec, qui monte. Donc, si on me prend là, on va me fouetter jusqu'à mes fesses vont rougir. Peut-être que tu as donné qui monte. Peut-être que c'est mon passeport bleu qui va me sauver. C'est un pays que tu connais qui je suis. Tout le monde est un pays. Tout le monde est. Maman, ils vont vous broyer au Cameroun. C'est votre problème. Moi, je ne mets plus pied au Cameroun tant que les élections ne sont pas passées et le pays est stable. Là où je suis entré aux États-Unis, là, dans Caterpillar, à Gomu, Fumi et Foya. C'est terrible. Chacun va se manquer à attacher sa ceinture. Sauf s'ils font comme au Gabon. Qui a le cœur là? Il y a le cœur de poulet au Cameroun, pardon. La main infiltrée jusqu'à... Avant que tu ne penses, on t'a déjà accueilli comme la mangue. Non, le Gabon n'est pas le Cameroun, ma chérie. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous méritez votre président. Il doit rester au pouvoir. Il part. Il doit rester là. Même s'il doit ramper pour vous gouverner, il va vous gouverner, c'est tout. Est-ce qu'il gère? On peut bien même. Emma. Est-ce qu'il gère? J'ai envie que mes et Pépétu se réconcilient. Va les réconcilier, non, maman. Tu ne crois pas la route. Appelle Pépétu, tu appelles mes sangs, tu les réconcilies. La paix est bien. La paix, c'est une bonne chose. C'est la guerre paye. La guerre ne paye pas, la haine ne paye pas. La paix est bien. C'est ça. Oui, maman. Un rêve brisé des générations sur générations. Il a mis toute une génération en stand-by. Il est toute une génération. Notre époque là, notre époque si, nous on a déjà perdu. Notre époque d'office, on a perdu. Maintenant, l'époque de nos enfants si. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir, que les pauvres de nos enfants seront comment? Donc, nos enfants seront plus pires que nous-mêmes. En tout cas, 2027, là, moi, je suis commerçant, je suis businesswoman. La personne me paye bien faire sa campagne. La personne me paye pas, elle pas donné. Je ne suis pas là pour venir jeter mon souffle pour que quelqu'un parle au pouvoir demain. Même pour me recevoir, parler, il ne va pas me recevoir. Pardonnez-vous. Et d'avoir un pro parler de ça, ça ne change même pas. Les décisions ont été déjà prises depuis des années. C'est seulement pour meubler les meubles. Voilà, pas comme toquer et souffler, maman.
Voilà le pauvre Bibou Nissara en prison, un jeune qui venait de se marier. Il va sortir de la prison, son enfant aura 7 ans. Tu te rends compte? Ah! Quand il va sortir de la prison quand son enfant aura 7 ans. Qui? Tu parles de qui, maman? Bibou Nissara. Ah, pardon, je parle même plus de l'autre là. Mm-hmm. On a monté des matchs de jouer au tennis. Il avait tellement maigri. Et à cause de la politique, on détruit la vie d'un enfant comme ça, d'un jeune. Ça va aller. Ça va aller, maman. Aujourd'hui, c'est quand? Ça va aller. De gré ou de force? Elle dit que de gré ou de force? J'ai trop piché les Camerounais. Maman, ils n'ont pas piché d'eux-mêmes. Ils n'ont pas eu piché d'eux. Ils disaient que c'est Dieu qui va les sauver. Au Cameroun, là, tu peux mourir comme la blague, hein, Maté. Je te jure. Aucun numéro que tu appelles même en détresse, quand tu appelles, même on vient te sauver. Tu gagnes la mort comme la blague au Cameroun. Hein? Vous avez vu là où je suis couché, là? Si écrit seulement, c'est les voisins qui appellent la police. À moins de quelques minutes, la police a encerclé partout aussi, là. Au Cameroun, tu meurs. Je te jure, on t'enterre, ça ne part nulle part. Non, pardon. Que chacun reste. Quand Dieu t'a donné la grâce, que. Ngamate, lance-toi dans la politique pour faire quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a la politique au Cameroun, il y a quoi dedans? Quand tu vois d'autres structures comme ça, là, tellement c'est beau, mais ils méprisent ça, pour eux c'est rien. Mais quand tu vois d'où tu sors, tu dis que vous pleurez, que chacun porte sa croix. Les Camerounais, c'est les fingons. Il ne faut jamais acheter le problème des Camerounais. Les grands fingons. Voilà, Bibou Nissara en prison. Les Camerounais continuent à vaquer leur occupation alors qu'ils meurent comme ça pour les Camerounais. Les Camerounais, ils méritent le président. La laissez-les avec le président. C'est les fingons jusqu'à demain. Tu veux acheter le problème, tu calomnies. Maman. C'est chacun qui connaît sa place. Quand on se met au carrefour, là, chacun connaît quel couloir il va prendre. Quand on nous met au carrefour, là, c'est à quatre voies. Au carrefour, chacun, quand l'autre monte à gauche, l'autre descend à droite. L'autre monte que de l'autre côté, l'autre descend lui carrément. Aujourd'hui, c'est quand? Un peu gaspiller mon énergie, ma salive. Et tout. Ils vont les voir ici sur les plateaux de télévision. Tu quand tu parles. Maman, est-ce qu'on s'est appelé les bêtises des politiciens là? Ils nous ont choucré en 2018, 2019, 2020, on a rêvé jusqu'à. Ils venaient faire les gros, gros français, les politiciens. Après, quand ils sortent, ils boivent les bières ensemble dans les bars. Tu connais quand ils finissent les plateaux là, comme s'ils sont ennemis, non? Quand ils sortent là, le premier bar, ils s'asseyent là. Ils boivent, ils se moquent de nous bien, non? Mathieu, on fait comme ça, non, moi. Eh non, on se fatigue. Moi, je commence un peu à perdre les pédales et tout. Donc, voilà. Prêter pour un dodo. Je vais travailler demain. Si demain soir. Non, demain soir, je finis très tard. Donc, oh, demain, non. Même pas. Peut-être mal quand ça se sent peut-être mieux. Yeah, voilà. Si demain me sent bien, je vais lancer le live demain. Yeah. Donc, prions seulement pour que tout aille pour nous parce que. À la lue où je vois les choses, là, vraiment, ça ne sent pas du bon. C'est comme ça, là. C'est comme ça, sans lueur d'espoir. Même pas un petit grain d'espoir comme ça.
Tu as vu la blanche qu'on a tuée, on a poignardé hier, on a tué à Douala. On allait retrouver ces assassins. Tu sais une blanche. Il y a une blanche qu'on a poignardée hier, sur elle est morte. Hey, voilà. Ah, tu peux voir pourquoi il te dit qu'au Cameroun, là, quelqu'un gagne la boxe. La mort comme la blague. Tu crois que si elle était restée dans son pays, on pourrait la tuer comme ça, Mathé? Non, pas du tout, pas à cet âge-là. Voilà. Non, il faut éviter. Ok, ma. Porte-toi bien, maman. Bois encore bien ton thé, là, tu dors, tu te couvres. Et il faut porter les chaussettes en aller au lit. Tu te mets à chaud. Yeah. Yeah, ça va aller. Il faut mon mamaza. Ah, maman. Ah, maman, appelle mamisa. Mais l'absou, mais l'absou, ou encore. Et dis, mes gens. Aidez mes gens, allez dormir, non. Vous qui êtes là maintenant, vous êtes vous nous regardez depuis où? Les États-Unis. Aidez, cash money, tu ne dors pas, papa. Tu vois ça, c'est ton faux profil de James Le Bronze là. Tu ne dors pas. Hein, cash. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Allez dormir, mes gens. Allez dormir. Je suis fatigué. J'ai eu une longue journée de travail. Demain encore. Ce sera un autre long, long, long day to work. OK? Donc, prenez soin de vous. Je vous y amo. Vous connaissez, non? OK? Faites-vous plaisir. Hein? Coucou, Loli. Tu viens quand je suis prête à partir, chérie. Prenez soin de vous. Faites du bien autour de vous également. OK? Be nice and be kind. OK? Voilà. Soyez gentils aux gens, aux personnes auprès de vous. OK? Toi aussi, Samantha, vous voulez lever pour aller faire pipi, vous dites, vous bondissez dans le live. It's too late. C'était juste un petit laugh. Hein. On voulait parler de l'actualité de la toile, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a même pas trop à dire et tout. Donc, voilà. Donc, on va. Il nous merci pour les cœurs, Samantha. Tu es où depuis? Tu n'as même pas moi vu ma personne. Je ne t'ai pas vu là. Et je ne t'ai pas vu depuis. J'espère que tu vas bien avec ta famille et tout. J'espère que vous allez bien. Ah, vous voilà. Les Albury. Pardon, rentrez dormir. N'ouvrez pas vos yeux, maman. N'ouvrez pas vos yeux. Vous allez pour aller faire pipi. N'ouvrez pas vos yeux. N'allumez même pas. Rentrez dans vos couvertures. Rentrez que dans le drap. Allez dormir. Il est 21h ici. Moi, je vais aller aussi m'apprêter pour aller faire dodo. Je vais aller me reposer mes muscles ici là. Donc, n'allumez même pas dans la chambre, rentrez qu'au lit. Ne venez même pas ici, là. Allez rentrer, allez dormir. Allez dormir. OK, mes gens. Donc je vous y a un mot, comme je vous l'ai fait savoir tantôt. OK? Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et surtout, prenez soin de votre santé mentale. OK? Voilà, your mental health. Voilà. Prenez soin de votre santé morale, mentale. Merci, 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 merci. Voilà. Il y a un truc qu'on a créé aux États-Unis maintenant. Ils appellent ça que le mental day, le mental health day. C'est MHD. Donc, quand vous ne vous sentez pas, OK? Quand vous ne vous sentez pas bien, appelez, dites que vous prenez, parce qu'ils ont accordé, c'est 7 jours par an de mental health day là. C'est 7 jours par an. Je ne sais pas si vous avez ça dans les règles là, parce que nous, au fédéral, on nous a donné ça. Donc,
quand tu te sens pas, quand tu vois que c'est déjà trop dans ta tête, la maman, prends une journée, après tu dis que tu veux utiliser ton mental health day. Tu relaxes, tu te couches au lit, tu relaxes. Parce que avant, on disait que la maladie, les maladies mentales, c'était une histoire des blancs. Maman, c'est là, dans le milieu des Camerounais. Vous voyez le psychopathe qui avait le parapluie en main là-bas, dans les villes là-bas, qui tuait tous les gens, qui a tué au moins 8 personnes dans les trucs des homeless. Celui qui tuait les sans-abri là-bas avec le parapluie, il cassait leur tête. Il vient te trouver au bord de la hauteur que tu as été dormi. Il porte le parapluie, il tape sur ta tête. Un Camerounais. Voilà l'autre qui a payé le billet d'avion à sa copine, la mère de son enfant. Allez au Cameroun, l'a brûlé. Carrément, tout ça avait les membres de sa famille. Parce que tu ne peux pas partir. Et il n'est pas à son premier crime. Il n'est pas à son premier forfait. Tu ne peux pas partir de la Belgique où tu es résident, venir au Cameroun commettre une telle atrocité. Donc, il a fait ça avec la complicité des membres de sa famille. Il faut qu'on les arrête tous, même en génération par génération. Ils doivent être tous interpellés. Et encore, maintenant, les gens qui polémiquent, on devait parler, quand c'est un bambilé, qu'on ne parle pas. Maman, parle, non, si les autres ne parlent pas, parler. Parce que l'affaire, même, il n'y a même pas tellement à dire. Même le peu, ce qui passe, c'est Jésus, même, tout que je suis allé voir ça là-bas l'autre jour. Hein? Prenez soin de votre santé mentale. Quand vous voyez que ça ne va pas là, que vous êtes tellement acculé là, prenez un ou deux jours de repos. It's ok. Merci poupée parenté chérie. Prenez un jour pour relaxer, vous coucher au lit, vous vous relaxez. Parce qu'on est toujours pour nous qui vivons dans le continent américain, on est toujours on the go, on est toujours sur nos pieds. Down. Et maintenant, avec la pression des choses et tout, l'aventure n'est pas faite pour tout le monde. Hein. Quand vous voyez que ça ne vous convient pas, n'ayez pas peur de rentrer. L'aventure ne va pas à tout le monde. Si tu n'es pas tough, tu ne peux pas t'en sortir en aventure. Donc, prenez soin de votre santé mentale. C'est un vrai issue. Your mental health. Il y a beaucoup de gens là qui sont passés de la lumière au dark, qui ne se rendent même pas compte. It's not okay. Quand tu vois toujours dark devant toi, ce n'est pas bien. Il faut te faire consulter. Ok, voilà. Je vais aller un peu causer avec Zoé pour connaître comment ça a été sa journée et tout. Et voilà, quoi. Dès que je suis rentrée, je me suis débarbouillée, je suis venue rester ici, là. Voilà. Je vais aller un peu causer avec ma fille parce que là, il est 21h15 et tout. Donc, si je pars au lit à 22h30, ce serait un bon timing pour moi. Tout ce qui vient avant 23h, là, pour moi, c'est le gold. Ok, voilà. Donc, passez une agréable nuit. Rentrez encore dormi. Demain, c'est samedi, donc relaxez, ok? Faites votre ménage, allumez votre candle, parce que votre bien-être aussi dépend de votre alentour. Ne vivez pas dans le bois. Parce que quand il y a trop le désordre sur vous, autour de vous, là, même dans votre tête, là, vous n'êtes pas bien. Tant que ce n'est pas rangé, là, ok? Faites des efforts de vivre dans des cadres appropriés. Prenez soin de vous et de votre environnement. Ok, mes gens? Et là, j'insiste encore. Prenez soin de votre santé mentale. C'est très, très important. Ok? Voilà. Et il faut savoir demander le help. Quand vous sentez qu'il y a une seconde voix qui vous parle, allez voir les spécialistes. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ok? Voilà. Je vous y amour. Ok? Je vous aime. I love you guys. Ok, me cueille. Ok, me couille. Me couille en bas chez nous. Ok, me cueille en bas fin. Me couille en bas. Ok,
Allez dormir. Et oui, amour, mes gens. Bisous, bisous. OK? Love you guys. Good night.